Au niveau anthropologique, je dirais, comme au niveau linguistique, qu'on passe du primaire au sophistiqué. Et donc, pour moi, le juif appartient à une sophistication. C'est pas du. Il faut refuser l'idée que les juifs sont premiers. Les juifs sont pas premiers. Les juifs sont les derniers, en fait. Ils succèdent à une humanité pré-adamique. Et donc vouloir inverser les choses en disant, ah oui, vous comprenez, la religion juive est apparue avant le christianisme et avant l'islam, donc elle est première. Non, pas du tout. Les religions chrétiennes sont des religions pré-adamiques en réalité. Ou plus exactement, qui véhiculent une problématique pré-adamique de résistance par rapport à l'adamique, justement. Donc déjà, il y a une confusion au niveau scripturaire. On croit que voilà, bon ben, le judaïsme était premier. Il faut surtout refuser cela. Le judaïsme n'est pas premier, il est dernier, il est ultime. À partir de ce moment-là, les choses changent complètement. La perspective est complètement différente. Les Juifs apparaissent dans un monde qui est déjà là. De même que tout ce qui. Notre monde est reformaté. Le monde dans lequel nous sommes, il est reformaté. Et il reformate quelque chose qui est déjà là avant. Et même dans le premier verset de la Genèse,